Je suis perdu dans un rêve dont je n'arrive pas à me dépêtrer. Aujourd'hui, il fait froid à Tokyo, donc je vous propose de se réchauffer en mettant un beau petit pull de Noël et en partant à la découverte de la péninsule d'Izu, un endroit paradisiaque situé à 2 heures de Tokyo dans la préfecture de Shizuoka. Plage de rêve, paysage magnifique et onsen de barjo, c'est ce qui caractérise la péninsule d'Izu, un endroit très apprécié des Japonais. On peut y accéder facilement en train, mais pour bouger à l'intérieur de la péninsule, c'est pas évident si on n'a pas de voiture, mais ça fait que justement on peut trouver des endroits superbes et authentiques. J'y suis donc allé début novembre avec Mutsumi, j'ai tout planifié avec pas mal de surprises et elle, c'était ma pilote. Conduire au Japon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de faire la traduction de son permis, ça prend 2 heures et ça coûte 20 euros. Ce truc, c'est que j'ai toujours eu la flemme de le faire. À chaque fois, je dis je le fais la semaine prochaine et je le fais pas. Mais là, c'est sûr, j'ai prévu de le faire la semaine prochaine. Et donc avec Mutsumi, on a loué une voiture depuis Tokyo et en 2 heures, on est arrivé à Atami, à l'entrée de la péninsule d'Izu. C'est un endroit connu pour ses onsen très anciens et ses paysages qui ont inspiré de nombreux écrivains. Aujourd'hui, je suis avec Mutsumi et on part à la découverte de la péninsule d'Izu qui est un endroit paradisiaque dans la préfecture de Shizuoka. C'est sa première fois à Mutsumi et ça tombe bien parce que j'ai préparé un beau programme, 3 jours ici à Izu avec elle. Elle sait pas ce qu'on va faire mais moi je sais très bien et je sais que ça va être du très lourd, donc c'est parti. À 20 minutes de la gare d'Atami, dans un coin un peu paumé, on trouve le Hashiriyu Jinja. Donc c'est un sanctuaire dédié à un onsen très vieux. Ici au Hashiriyu Jinja, on trouve une sorte de grotte avec une eau à 70 degrés. Donc bien sûr, on peut pas tremper les pieds, on peut à peine tremper le pied droit. Et donc on peut pas se baigner, mais par contre, rester à l'intérieur, c'est très bon pour la peau. Hein, on a la vapeur d'eau du onsen qui vient caresser notre épiderme et c'est très bon. Et alors on peut pas faire le onsen parce que c'est trop chaud, mais par contre on a ici un HIU juste à côté du sanctuaire qui est sympa, qui est tout petit hein, mais il est sympa. Et à 20 minutes du sanctuaire Hashiriyu Jinja, on a ici le sanctuaire Izusan Jinja qui est un grand complexe très joli dans une ambiance très mystique puisque perdu au milieu de la montagne avec une vue sur la mer, c'est vraiment magnifique. Donc ici c'est le sanctuaire des dragons puisqu'il y a deux dragons protecteurs qui prennent soin de ce sanctuaire. Donc c'est un dragon blanc et un dragon rouge. Dragon blanc, yeux bleus. C'est l'heure du duel. Atami, c'est aussi une ville connue pour son château, le château d'Atami, qui est un des plus récents du Japon. En fait, rien à voir avec un château japonais, c'est juste une attraction touristique, mais pour le coup, la visite est intéressante parce que on peut profiter de superbes paysages et surtout du musée dédié au Shunga, les estampes érotiques japonaises. Le Shunga était très populaire à l'époque Edo, ça coûtait même plus cher que les estampes traditionnelles, et même les plus grands artistes s'y sont adonnés, hein, ça leur a apporté de l'argent. Par exemple, Hokusai avec son œuvre Le rêve de la femme du pêcheur, qui a énormément influencé le hentai d'aujourd'hui avec ses tentacules. Un musée extrêmement intéressant. Donc j'ai juste évité de vous montrer les œuvres avec des énormes phallus, histoire de pas me faire censurer. Alors je suis ici devant le château d'Atami qui est construit en 1959, simplement pour du tourisme. Ça n'a rien à voir avec les autres châteaux qui ont été construits à l'époque Edo, etc. Lui c'est vraiment juste pour le tourisme. Mon papa est plus vieux que ce château. À l'intérieur du château, on trouve même un HIU qui est très confortable parce qu'en plus il a une vue magnifique. On bénéficie d'une vue qui est vraiment sublime ici là sur la côte. À l'intérieur du château, c'est un vrai parc d'attraction. Il y a plein de petits trucs accessibles gratuitement, comme ici les fauteuils de massage, le HIU, il y a un game center même. Bon, il y a quand même quelques petites expositions histoire de dire voilà, c'est un château, on est quand même sérieux. Mais sinon, c'est plein de petites animations aussi qu'on a. Ça n'a rien à voir avec un château en fait. Hein. Et on peut même s'adonner au cosplay ici gratuitement. Alors, des cosplays de qualité en plus, attention, attention à la coupe de qualité. Et à l'intérieur du château, on trouve même le musée du Shunga Ukiyo-e, donc c'est les estampes érotique japonaise, donc ça date de l'époque Edo et c'est très intéressant à voir. Pour le coup, c'est pas un truc on y va pour rigoler, etc. C'est des estampes magnifiques avec juste des gros zizi un peu partout, mais il y a toujours une histoire derrière.
C'est tout petit mais vraiment très sympa comme musée parce que déjà les estampes sont magnifiques et puis ensuite on retrouve plein de thèmes comme l'homosexualité, les mariages forcés, plein de choses comme ça. Depuis Atami, on a ensuite longé toute la côte est de la péninsule d'Izu, histoire de rejoindre l'extrémité sud, où on devait dormir le soir. La route en voiture, c'est un vrai régal à admirer, et sur le chemin, on s'est arrêté sur la côte de Jogasaki pour là encore profiter de superbes paysages. Depuis Atami, on va redescendre toute la côte est de Izu pour aller jusqu'au sud, tout au sud de Izu, à Minami Izu. Et donc voilà, c'est parti, on va s'arrêter un petit peu sur la route pour manger, je pense, et pour voir quelques spots, mais ce soir, on sera au sud de Izu. On a un singe dans les rues au calme. Comme ça, qui se balade tranquillement. Bon, il s'en bat les couilles. On s'est arrêté pour manger à Ito, c'est un petit village le long de la côte est. Et donc là-bas, on a les règles ici du restaurant qui disent que. Jamais. D'accord. Ouais, bah c'est très bien, c'est très clair. Merci Mutsumi. Arigato gozaimasu. Il dit jamais le poisson autre que celui qui pêche, c'est ça? On est ici à Jogasaki Kaigan, donc c'est la côte est de Izu. Il y a beaucoup de vent, mais c'est magnifique. C'est quoi là Mutsumi? Ninja. Attention parce que tu vas surtout retrouver à l'hôpital hein. Tu vas être à l'hôpital de Konoha. On est ensuite arrivé tout au sud de la péninsule à Minami Izu et c'est là que j'avais réservé l'hébergement du soir qui était une surprise pour Mutsumi. Une maison de campagne avec onsen, de l'eau provenant de sources chaudes naturelles directement dans le bain. J'avais trouvé ça par hasard sur Airbnb et pour le coup ça a été vraiment exceptionnel. Et donc là maintenant direction l'endroit où on va dormir ce soir. Alors c'est une surprise pour Mutsumi, elle sait pas du tout ce que c'est. J'ai réservé un truc vraiment cool, on va tout au sud d'Izu. Migi. C'était la blague, c'était la farce. Donc voilà, en gros, j'ai commandé un Airbnb. J'avais rendez-vous ici avec la personne qui tient un café et qui va nous emmener à l'endroit prévu. Voilà, donc c'est une maison de campagne japonaise que j'ai louée via Airbnb et c'est vraiment top parce que pour le coup l'eau des bains, donc il y a un bain en extérieur et en intérieur, et c'est de l'eau qui provient de onsen directement, donc on a un onsen à la maison, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Voilà, c'est du très lourd, je suis vraiment content de faire une expérience comme ça parce que c'est une expérience unique, originale et pour le coup c'est pas si cher que ça parce que j'ai payé, je crois que c'était 10 800 yens. Donc ça nous fait du 90 euros à peu près, ce qui fait 45 euros par personne. Le repas de ce soir, un unagi pour changer, mais celui-là a l'air spécialement bon. Bon, je vous cache pas que l'unagi là, il m'a vraiment blindé le ventre. Là j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans la maison et puis de profiter du onsen tout simplement dans ce cadre merveilleux. Voilà, il n'y a pas à dire, ça fait un bien fou, là le bain en intérieur est vraiment super pour le coup, ça fait du bien. Et puis on va aller profiter de celui en extérieur, quand on va terminer, on va pouvoir se baigner dans la même eau dans laquelle a trempé le corps de Mutsumi. Et elle va se baigner dans l'eau maléfique de Gris. Ah mais attendez, c'est le moment du freestyle. Onsen du loup-garou vampire. Plus de temps à perdre, mec, la calvitie me guette. Guette, j'ai mes rêves et je m'envoie en l'air, je décale ici, mec. Le temps se consume, je le fige et j'apprécie les faits. Salis mon linge propre en public, l'allée s'y est faite, hein.
ayant lumière, pourquoi tu t'éteins? Je suis dans mon onsen, pas de pépin. Si je sors de l'eau, tu peux voir mes tétons. Je suis un titan, tu tâtonnes devant l'étendue de mon talent. Guigui. Alors là, attention, Guigui le farceur est de sortie. On va faire un prank. Je prank une japonaise en train de prendre son bain. Alors, moi je vous rassure, moi je suis pas à poil. J'ai mis un short. Alors, on va lui faire croire qu'il y a un fantôme. C'est le prank vraiment de merde. Alors, je savais pas comment j'ai joué. Ah, Mutsumi! Ah, Obake! Obake! Hein? Mais pourquoi tu m'as pas cru? Ah, cette Obake? Oui, elle est quoi? Bah, why you didn't believe me? Because I know you. Ah, bon, bah, d'accord. Bon, bah, bravo, Mutsumi! Après ce prank de qualité, le lendemain, on a visité le sud d'Izu avec notamment le cap de Hirosaki, qui est l'endroit le plus au sud de la péninsule, et la ville de Shimoda, un endroit très charmant, qui a aussi une importance historique puisque c'est là que s'est fait l'ouverture du Japon à l'Occident suite aux menaces du Commodore Perry. C'est un événement très important puisque c'est ce qui a permis ensuite aux Occidentaux d'entrer sur le sol japonais et de mettre fin au Sakoku, c'est-à-dire la période de fermeture du Japon durant l'époque Edo. 10h du mat, deuxième jour sur la péninsule d'Izu, on part découvrir Minami Izu, donc c'est le côté sud, hein, là où on est en fait actuellement, de la péninsule. Voilà, on est ici sur la plage de Yumigahama. On arrive maintenant ici au cap de Hirosaki, donc c'est le point le plus au sud de la péninsule d'Izu. On en a pour 20 minutes à peu près pour arriver jusqu'à là-bas. On fait la course, Musumi ? 1, 2, 3. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi magnifique que mon pull? C'est mon nouveau pull. Très bien. Ouais, t'aimes bien? Tu mets combien? Quelle note tu mets sur 5? 1. 5? 1. 1? Mais non, c'est pas bien 1. 5. Ah, merci. Et on trouve même une plaquette Emma avec du français, donc c'est une famille qui vient de Tahiti. Et pour le coup, elle a écrit quelque chose de très touchant. On est ici à Shimoda, une ville au sud-est de la péninsule d'Izu. Une ville très agréable avec un joli quartier qui s'appelle Perry Road. Et donc plein de petits bars, de petits restaurants, cafés, etc. Vraiment une ambiance très sympa. Le petit café, ça fait vraiment... Confit. Mmh. Confit, non? De canard. J'ai vu ça. Alors Mutsumi, elle a opté pour un petit poulet. Et alors moi j'ai opté pour un burger à l'avocat. Je suis pas trop burger d'habitude, hein, c'est pas trop mon truc de bouffer des burgers. Mais bon là, on est parti pour un Shimoda Burger Tour. Franchement très très bel endroit Shimoda. C'est un truc que je vous recommande si vous venez sur la péninsule d'Izu. Il faut surtout pas louper Shimoda parce que ce quartier là est vraiment magnifique. On trouve ici des boutiques avec des trucs pas chers du tout, 500 yens. Bon, c'est pas mieux que mon pull, mais bon, mon pull il était pas 500 yens. Hein. T'aimes bien toi. Ouais, t'aimes bien toi aussi, non? Tu l'aimes pas? Mon pull? Hein, Mutsumi? T'aimes bien ou t'aimes pas mon pull? Si. Tu l'aimes bien? Non, ça va toi. Putain, je suis dégoûté, ça je le mettrai pas dans la vidéo, mais j'ai éternué et regardez mon beau pull. Ah putain, j'ai pas de mouchoir en plus, mais mon pull, merde, mon superbe pull. Ah Mutsumi, mon pull. Can you help me? Oh, that's what was happening. T'as le mouchoir? Merci.
Et à Shimoda, on trouve ici la plage de Shirahama, qui est magnifique pour le coup. Dès que Chloé s'en va, on peut y aller. Regarde. Je vais te montrer. Mais après, on va être piégé, hein. Ça va remonter là, l'eau. Faut pas rester longtemps. Et regarde, hop. 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 Le timing parfait. Et ouais. Ah. Ok. Et ici, juste à côté de la plage de Shirahama, on a un magnifique sanctuaire à ne pas louper parce qu'il est vraiment très joli, très particulier. Il était ensuite temps de se rendre à Kawazu, un peu plus au centre de la péninsule. C'est là que j'avais réservé l'hôtel de cette deuxième nuit, un endroit exceptionnel avec des onsen de rêve et mixte. C'était pas donné, hein, environ 300 euros la nuit pour deux, mais cet endroit, je m'en rappellerai pendant longtemps. Maintenant, direction l'hôtel pour cette deuxième et dernière nuit sur la péninsule d'Izu. Alors Mutsumi ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Pour le coup, j'ai réservé un truc encore plus lourd qu'hier, vraiment un truc de ouf. Là, on va se perdre en plein milieu de la péninsule, donc il n'y aura pas la mer à côté, mais par contre, il y aura des endroits incroyables. Vous allez voir tout de suite. Easy life. Quand je dis easy, tu dis life. Easy. Easy life. 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 Easy. Tu dis life. Non. Voilà, donc en gros, avec Mutsumi, on va dans un onsen mixte. Ça va être lourd. Alors, onsen mixte, mais on va mettre des maillots de bain, en fait. Maillots de bain obligatoire. Easy. Life. Easy. Life. Easy. Bah, c'est nul. Et on salue, c'est Gigi, ton nouveau maître nageur. Hein, Mutsumi, si tu te noies, je peux venir te sauver. Tu vois, regarde Mutsumi, ça c'est le crawl. Oh, dans le... This is the crawl. And this is the butterfly. Do you know the butterfly? On y va. The butterfly reverse. On y va. And do you know this? On y va. This is the vampire. I go. Allez, bah je t'attends. Regarde. C'est le onsen. Dans une grotte. Donc là, on doit descendre toute la montagne pour aller dans le onsen tout en bas, sous la cascade. Et là, on va se baigner dans les bains qui sont juste en dessous ici. Ça, c'est du onsen de compétition. Hein. Regardez-moi ce onsen de Grand Barjo. Hein? On est là, juste devant la cascade. Vas-y Mutsumi, fais le papillon comme je t'ai appris. Voilà, bon, finalement, j'ai pas eu assez de batterie pour filmer la suite, mais c'est pas grave, tant mieux, parce que ça nous a permis de profiter tout simplement, parce qu'il y a un moment, voilà, faut filmer, il y a un moment, il faut profiter. Mutsumi, onsen, dodatta. C'était génial! Ce onsen, c'est le plus bel onsen que j'ai pu faire dans ma life. Le précédent, c'était avec Hideto à Okuhida. Celui d'avant encore, c'était avec Laurent Cassia à Tsurunoi Onsen. Et là, pour le coup, c'est maintenant ici à Izu avec Mutsumi. Donc à chaque fois, mon meilleur onsen, c'est onsen où je suis accompagné. Donc c'est bien, c'est le partage, c'est comme ça. Bref, on va manger et ensuite, je vous emmène de nouveau dans le onsen de Mala. Félicitations. Pourquoi? Pourquoi? Ça va bien, non? Quoi? Félicitations parce que ça va bien, c'est ça. Bon, tout à l'heure, j'avais pas de batterie, mais je tenais à vous montrer quand même le plus bel onsen de ma vie jusqu'à présent.
Hein, bon, ça change tous les mois, mais c'est pas grave. Il va être 22h bientôt, donc c'est l'heure justement du titan loup-garou vampire qui est de sortie et qui va aller s'abreuver de mon scène. Donc ici, on a le bain de tout à l'heure. En fait, c'est plus pour les enfants, hein, donc qui est un peu dans une grotte. On pénètre dans l'endroit que je préfère, c'est une pure tuerie. Là, c'est pas la grotte de tout à l'heure, là, c'est un vrai truc. Vous allez voir un truc de barge. Et en fait, ici, c'est ce qu'on appelle un hito. Donc, ça veut dire un onsen secret, caché. Ce sont des onsen cachés, secrets, que j'ai réussi à trouver en fait grâce à un site qui les répertorie, mais un site assez vieux qui est seulement en japonais. Je vais pas le donner parce que sinon vous allez y aller aussi, il sera plus secret. Mais non, peut-être que je donnerai le lien si vous me le demandez. Dites dans les commentaires si vous voulez le lire. Alors, merci par Chétan, tel Belzébuth, j'ai embrassé les flammes de l'enfer. Ce monde est une boule de stress invivable, je m'évade, j'en ai marre de m'enfer. Cristal du démon. Bon, alors là, on sort d'une soirée vraiment super. En fait, on est allé voir ce que ça donnait le karaoké parce qu'apparemment, ça devient jusqu'à 22h. Donc, en fait, on rentre et on voit, il y a des gens qui sont en train de s'amuser, mais il n'y a pas de gérant. Et en fait, c'était des gens qui avaient réservé le karaoké, mais ils ont dit non, mais restez et tout, on s'amuse et tout. Et donc, au final, on est resté avec eux, ils nous ont offert de l'alcool, ils nous ont fait chanter et tout. C'était vraiment super, ils sont bons délire, on a joué au ping-pong avec eux. いや、本当にあの子のどっちか分かんないけど、全然。頑張る。今日が勝負だぞ。3年もほっとくんじゃねえぞ。21号騒がしくなると思うんで。もう、もうそれはそうなんだな。頑張ってね。 Le lendemain, on a bien sûr encore profité des onsen avant de partir découvrir l'ouest de la péninsule à Nishi-Izu avec notamment Dogashima et sa grotte bleue, puis Koibito Misaki, le cap des amoureux, un endroit très prisé par les couples. C'est parti pour ce troisième et dernier jour à Izu et forcément on va commencer par le magnifique onsen de bon matin, 7h du mat. Et ensuite, voilà, dernière journée, on va aller quand même voir quelques spots sympas avant de rentrer à Tokyo. Ah, il y a les personnes d'hier là. Rayo. Alors, ce qu'on vient de trouver ici en plein milieu de la route, ce sont des oranges, enfin orange mandarine. Et en fait, c'est en self, on peut se servir soi-même. On fout 100 yens ici et on se sert. Voilà. Hey, mais c'est pas bien. C'est pas bien, mais. Et Mutsumi, elle va faire comment? Elle va mettre l'argent ou pas? On
On est maintenant à Dogashima sur la côte ouest de la péninsule d'Izu. Pour le coup, c'est un endroit très joli, donc c'est parti pour la petite visite. Allez, on va prendre le bateau pour une petite croisière. Bon, c'est 1200 yens, mais ça vaut le coup apparemment. On peut ici se balader sur l'île de Kamejima, donc c'est l'île tortue parce qu'elle a la forme d'une tortue tout simplement. C'est ça l'aventure, la vraie aventure, c'est ça, c'est aller sur une île déserte. Juste à côté de Dogashima, on trouve Koibito Misaki, donc littéralement le cap des amoureux. C'est un endroit très prisé par les couples. On va aller là-bas, il y a une cloche à faire, une cloche. Parce qu'une cloche, ça sonne pas. Une cloche à faire sonner. Et puis surtout une superbe vue à admirer. Ah, Fuji-san. Il est un peu caché, mais ouais, on le voit. Hein. Allez, c'est là, la cloche de l'amour, on va la faire sonner 3 fois. Attends, attends, attends. Encore. Combien de temps? C'est bon, là, on l'a fait 4 fois, normalement c'est 3. Direction enfin Shuzenji, la dernière étape de ce voyage dans la péninsule d'Izu. C'est une ville située plus au nord et facilement accessible en transport, donc on croise plus de touristes, mais c'est un endroit très charmant. Clairement, c'est une ville de promenade, on trouve plein de petits chemins à parcourir et une spécialité à goûter, le wasabi, qui est surtout proposé en glace. Dernière étape de cette magnifique aventure sur la péninsule d'Izu, on est à Shuzenji, donc c'est au nord. C'est un endroit assez accessible, donc là on retrouve beaucoup plus de monde et il y a pas mal de choses à faire. Pour le coup, c'est une petite ville très jolie avec beaucoup de charme, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour bien explorer, donc on va faire ça en vitesse. On va faire une petite visite express. Alors, vas-y, Mutsumi, tu vas nous goûter la glace au wasabi. Alors ? Wasabi. C'est quoi ça ? Quelque chose de rentré. Ah non, Mutsumi. Tu l'as bientôt fini, ça va aller. Vas-y. Mais non, mais même toi, même une japonaise peut pas terminer ça. Tu crois que je vais manger ça, moi? Non. Jean Reno? Ah bah d'accord, ok. Si tu me prends pour les sentiments, si tu me parles de Jean Reno, de wasabi. C'est tartine, wasabi. Vous faites un truc immangeable. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Ce Hashiyula, il est assez profond parce que ce que les gens n'arrivent à m'expliquer, c'est que c'était avant un onsen mixte. Et il y a 20 ans, ils ont arrêté ça parce que bon, ça posait des problèmes apparemment. Et ils ont changé ça en Hashiyu, donc c'est devenu un Hashiyu. Pour terminer ce magnifique week-end en beauté, on se tape les embouteillages, 4 heures de voiture ici bloquées dans les embouteillages, mais c'est pas grave, on a passé un super week-end, c'était cool, hein Mutsumi? Mm-hmm. Hein, tu fais un peu la gueule parce que t'es pas contente des embouteillages, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est le prix à payer
pour profiter de Izu en voiture. En fait, c'est un Japon complètement différent. Encore, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir avant. On avait l'impression d'être dans un autre pays. Et c'est ce que j'aime au Japon, c'est ce que je préfère. C'est que quand je voyage, bah, j'ai à chaque fois l'impression de voyager dans plusieurs Japons. C'est donc dans les bouchons que s'est terminé ce superbe voyage. Mais clairement, la péninsule d'Izu m'a mis un enchaînement de claques, hein, une rafale de patates dans la tronche avec ses paysages de rêve et ses onsen de l'espace. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je poste toujours chaque jour sur Instagram et Twitter et je vous fais de gros bisous. Cet œil, le gauche, regarde vers le passé. Et le droit alors? Il regarde vers où ?